babalée, pleureuse de Poitou. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Nathalie Babalé, pauvre acheteuse de Marzizi, de ton état. Laisse mon frère, hey. Nathalie Babalé, tu as volé. Quoi? Nathalie Babalé, tu as volé 200 euros. Ah! Oh, maman. Tu as vécu dans Paris. Mm-hmm. Tu as couché avec les hommes dans Paris. Ça, c'est clair. Tu as fait le waka à Paris. Quoi? Tu as fait le waka à Paris pendant que tu vivais à Paris. Quoi? Quand tu arrives à Paris, tu as commencé à vendre tes lasses. Laisse mon frère, hey. Quand tu as vu que ça t'a dépassé, tu as été obligé d'entrer dans l'église, réveillez-vous, ou te repentir. Ah! Oh, maman. Donc quand tu te lèves que tu insultes les wakas, tu t'insultes toi-même. Ah bon? Et pourquoi? Parce que la première waka, tu l'es. Dieu! Facebook n'a pas pour helelele. Tu es une vendeuse de pépé, depuis Paris. Ouh! Tu as travaillé l'argent ici pour aller épouser ton gigolo. Tu te fais souffrir comme ça. Quoi? Tu te fais faire n'importe quoi sur Facebook. Yeah, tu vois ça comme la magie, hein? Facebook. Tu es obligé de chercher l'argent pour nourrir ton gigolo. Laisse mon frère, hey. Je t'ai dit ce matin que je préfère être femme libre, m'occuper de mes enfants et de mes petits-enfants, au lieu de mendier comme toi. À cause d'un homme, tu es devenu débile sur les réseaux sociaux. Quoi? Tu n'as pas de direction. Ah! Wow. Tu ne sais pas ce qu'il y a lieu de faire au point d'acclamer une autre ta collègue voleuse. Toi, au moins, si tu as volé 200 euros. Mais elle, 50 euros. Ah! Oh! Oh! Tu acclames ta collègue. Tu es obligé de mentir pour te faire aimer. Ah! Tu as couru là-bas. Couru. Tu es venu chez la fille d'autrui. Maman! La fille d'autrui était obligée de préparer, de faire des trucs. Tu m'attendais, j'ai dit à Coco que je ne viens pas. Ah oui. J'ai fait le concours de ton nom. Si tu veux comprendre le concours, j'ai fait le concours de ton nom que elle venait chercher quoi. Je m'interroge. Elle venait chercher quoi? Tu pars, tu quittes ou tu es quitté là-bas pour venir chercher les lasses d'une femme. Quoi? Elle t'a bien bouilli le jour là. Quoi? Elle t'a bien touché le jour là. Juste à prendre le oué là, mettre ça derrière toi comme ça, là, te choquer propre. Quoi? Tu n'as pas honte de te déplacer du Canada jusqu'à Angers, rien que pour aller chercher la top d'une gars. Je m'interroge. Tu n'as pas honte? Je m'interroge. Tu te déplaces, tu cours. Parce que tu viens guetter la tox. Laisse mon frère, hey. Juste à tu apportes les habits. Maman, elle t'avait envoyé les photos d'habits là. Le lendemain, pour mettre que elle a mis sur les enfants. Après elle a jeté ça parce que ses enfants ne portent pas les Tommy, c'est les vieux trucs. Ah, oh, maman. Elle préfère que ses enfants portent du Jacaji, du Burberry, mais pas Tommy, c'est les sous-marques ça. Elle a déchiré ça, peut-être elle ne te dit pas la vérité, j'ai parlé. Laisse mon frère, hey. Si elle veut se fâche, on se bloque. Et après on va commencer au gré débloquer parce que c'est ma petite soeur. Tu es venu, tu as voulu que ma petite soeur me clash. Tu as voulu nous mélanger. Ma petite soeur a dit qu'elle préfère sa soeur au lieu d'une tox parce que ton tox est vieux froissé. Elle t'a laissé. Tu as voulu mettre la haine, nous diviser, la team de la Russie. Ah bon? Et pourquoi? Juste parce que je suis venu, j'étais interpellé. Comme à la coutume, on s'appelle, tu m'appelles plus que moi je t'appelle. Je fuis même tes appels. Tu viens, tu mens parce que tu veux aller assister à des trucs, je ne sais pas trop quoi. Tu n'as pas honte de mentir à ton âge? Je m'interroge. Ancienne waka du temps d'Amadou Ayidio. Tu faisais ton waka ici, personne ne parlait. Tu te lèves, tu dis, tu commences à insulter les waka. Tu vois une waka? Je m'interroge. Qu'est-ce qui t'a chassé du waka, Dalois? Je m'interroge. Voilà comment une fille s'habille comme une vieille personne avec la maison surchargée de vieux trucs, des trucs de l'antiquité. On t'a dit qu'on a encore besoin de ça dans des maisons. Je m'interroge. On n'a pas besoin de ce genre de choses dans des maisons. Tu es une jeune fille comme tu t'enlèves avec tout ce que tu as. Mais tout ce que tu as, c'est toi et vieux. Tiens, fais-moi si c'est le cardio, hein. Nos vieux calissons, le gros calisson qu'on t'a filmé en sortant de ta vieille voiture, c'était comme ça. Un calisson pendant que les femmes mettent des slips blancs. Toi, tu es là avec un calisson rosa que tu avais déjà changé la couleur. Tu viens me parler, Dalois. Aïe. Tu viens me parler juste à mentir sur moi. Je m'interroge. Il faut te respecter. Quoi? Il faut te donner de la personnalité. Ça c'est clair. J'avais dit que pour cette histoire de deux amis, fallait pas que ça nous apporte des problèmes. Mais tu m'as cherché. Ah! Pourquoi tu as bouillé avec elle? Ah! Quoi? Tu as bouillé avec elle? Quoi? Tu l'as bien touché? Quoi? Tu l'as bien touché jusqu'à là, voilà, elle est en train de te pleurer. Pleureuse de Poitou. Ta loi, avec les vieux, tout ce que tu as sur toi, c'est tellement vieux les vieilleries que tu mets sur ta personne, sur ton corps. Tu viens nous montrer les choses qui n'ont pas de sens, on t'a dit qu'on vit chez toi. Je m'interroge. Tu es obligé d'apporter ta haine parce que, à cause de l'argent, à cause des miettes. Laisse mon frère, hey. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. N'ayez jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises. Tels que le macabondolé, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu du charbon de bois. Sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50, 1070 Anderlecht, Bruxelles.
Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Nous, Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Wallah, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le taro, c'était bon jusqu'à... Ça fait depuis 3 mois, depuis décembre, que Daloa est sur moi. Daloa vient mentir sur moi, Daloa vient écrire des choses sur moi. À tout moment, quand Daloa fait de direct, elle me prononce. Maintenant, elle prononce, mais rêve, rêve n'a pas ton temps. Quoi? Rêve n'a pas ton temps. Ah! Coco, tu sais que je suis mature. Quoi? Tu sais que tu vas me seulement, tu sais que tu me prends comme ça. Ah! Je sais que tu vas me bloquer tout à l'heure. Je sais que tu vas me bloquer tout à l'heure. Mais ça va passer. Je te connais, je sais que c'est comme ça, mais tu sais que moi, je suis mature. Donc quand on m'attaque, ma bouche ne porte plus le calisson, tu le sais. Donc bref, c'était en passant. Ah! Oh! Maman. J'ai dit que le calisson rose était devenu rosâtre. Yes, mon frère. Hey. Quelqu'un qui est parti prendre un gigolo qui était vendu à la sauvette. Quoi? Un gigolo qui l'a abandonné. Quoi? Un gigolo qui est revenu par rapport à l'argent des étoiles. Ah. Yes, mon frère. Hey. Nathalie Papalé, Daloa, dis aux gens que tu as recueilli ton mari gigolo à cause des étoiles. Ah. Quoi? Que ce sont les étoiles de Facebook qui ont fait revenir ton mari. Quoi? Que ton mari t'avait laissé. Il est allé faire des enfants ailleurs. Ah. Oh. Oh. Dis-le aux gens sur Facebook. Ne te mets pas là, tu commences à inventer la vie que tu n'es pas. Quoi? La vie que tu n'as pas? Yes, mon frère. Hey. Vous entretenez les gigolos, c'est vous qui souffrez, mais c'est vous qui voulez mélanger les gens dans vos saletés, c'est vous qui êtes en train de dénigrer les gens, ou de mal parler des gens, ou de mentir sur les gens, chez qui? Je m'interroge! Pauvre acheteuse de Banzizi, de ton état. Non seulement tu achètes le Banzizi, tu achètes encore les Las Denga. Yes, mon frère. Hey. J'ai laissé, je ne voulais pas te reprendre depuis, mais tu m'as trop griffé, tu m'as trop piétiné. Je me souviens quand tu as affiché ma fille qui est intellectuelle, et tu affiches encore ma fille, j'affiche tes enfants avec le Banzizi devant. On va voir qui fait la guerre. Oh, maman. Une femme qui dit qu'elle a les enfants, tu t'es permise d'afficher ma fille sur les réseaux sociaux qui n'avait rien fait. Tu penses que tout ça, je peux être amie avec toi? Je m'interroge. Tout ça, je peux être amie avec toi? Je m'interroge. On s'amusait avec toi, on faisait semblant. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'on sait que tu es sans confiance, tu es une hypocrite. Tu es une hypocrite, la preuve, te voilà en train de pleurer l'amitié. Tu es obligé de te ravager sur les gens. Tu ne peux pas te respecter. Tu ne peux pas te mettre la paix entre tes sœurs. Tu ne peux pas te mettre et donner des bons paroles, du bon langage, dire des beaux mots. Donneuse de leçons, continue. Coureuse de couteaux, de ma petite sœur. Nathalie Daloa, tu as quitté le Canada. Coucou, on est attendu, tu avais les dents comme ça là dehors. Juste parce que tu passes suivre les pertes jaunes. Tu n'as pas honte. Hein? Tu as fini de te repentir, tu as fini de danser le bal à tête sur les réseaux sociaux. C'est sur la tête, je ne veux pas que tu viennes. Tata, chaque temps, juste tu oses m'appeler, on va pas. Comme ça, on était les camarades du piment ensemble. On a vendu le piment ensemble, on a tiré la valise ensemble, ma. Hein? C'est moi, c'est à cause de moi que tu es parti ramasser un homme marié qui était vendu à la sauvette au marché central. C'est dans quel quartier là, quoi? C'est de ma faute? Si ta vie est comme ça là, limitée, hein? Est-ce que c'est de ma faute, moi? Juste, tu viens mentir que moi, papa Nadège, je t'ai laissé trop faire. Tu as volé l'argent de l'entrée de l'école. Si je mens, juste attendez encore, je vous raconte la meilleure. Juste aller prendre le billet d'avion. Elle prend l'argent de la couturière. Elle dit à la couturière qu'elle a pris le billet d'avion à tel montant. La couturière lui dit que, ok, envoie-moi donc le billet d'avion ou la facture du billet d'avion, elle n'a jamais envoyé. Et la couturière devait lui envoyer, je pense, 200 euros. J'ai dit à la couturière que tu ne lui donnes plus. Les 200 euros, comme elle a volé tes 200 euros que les comptes lui avaient donné, donc tu ne lui donnes plus. Donc, Daloa, les 200 euros là, ma couturière ne te donne plus ça. Et il faut que les gens sachent que je n'étais jamais appelé pour la soirée. Parce que tu n'étais rien dans la soirée là pour moi. C'était ma soirée. Malheureusement, je n'ai pas pu venir. Donc, au lieu de passer par toi, je passe par ta patronne. Tu es allé là-bas voler juste à même ta copine avec qui tu es aujourd'hui. M'a dit ça. Elle m'a dit que tu avais dit que tu devais te payer. C'est ce que ta copine m'avait dit. Pour le moment, elle ne m'a pas encore prononcé. Quand elle va me prononcer, elle va venir sortir. Je vais venir sortir ce que ta copine m'avait dit. Tu avais dit que tu devais te payer. Parce que ma Marceline n'avait pas payé tout ton argent, même l'argent du billet d'avion. Et tu t'es payé. Maintenant, tu viens ici, comme j'ai dit que tu as volé 200 euros. Bring back 200 euros. Non, tu ne peux plus back même. Parce que ça a remplacé ton billet d'avion voleuse. Tu n'as même pas juste, tu viens mentir. Hein? Juste, tu viens mentir sur moi. Moi, je t'appelle. Depuis, tu ne fais que dire que wa. Donc, c'était un mouton. J'allais te suivre. Elle va me bloquer. C'est qui est sûr? Tu vas me bloquer comme tu avais commencé à m'appeler. Je ne t'avais jamais appelé. Yes, mon frère. Hey. Coco, pour tout si je mens, tu es là, écrit. Non, tu mens. Ah! Maman. Coco Kouetou, laisse-moi là-bas parce que tu as mis le doigt dans ses fesses. Je viens sur vous deux là maintenant. Ah oui. Ah oui, à tous ceux qui m'aiment et à tous ceux qui m'encouragent dans ce que je fais, allez sur Play Store ou App Store et téléchargez l'application TapTapSense. TapTapSense est une application pour envoyer de l'argent à vos proches en Afrique sans toutefois vous déplacer. Une fois téléchargé l'application, utilisez mon code promo qui est NOSABI.
N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Quand vous utilisez mon code promo ou mon code de parrainage Nosabi lors de votre premier envoi, vous allez bénéficier de 5 euros pour tous ceux qui résident en Europe. Et pour tous ceux qui résident du côté des États-Unis, vous allez bénéficier de 10$ pour votre premier envoi. Utilisez TapTapSense pour toutes vos transactions d'argent. C'est le moyen le plus rapide, sans toutefois avoir besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances. TapTapSense, en moins de 2 minutes. La transaction est déjà faite. Hé, hey, le gars, il me fait trop rire. Qui est comme ça, maman? Mano Sabi Comedy Pro. Oh! Mon frère, tu es trop bon dans ton domaine. Merci beaucoup, maman. J'étais en train de regarder quelle vidéo là-bas hier qui m'a fait mourir de rire. Maman, j'ai failli faire pipi dans ma culotte. Pardon, venez me porter. Anna, anti. Non, mon frère, tu connais ton travail. Mais c'est toi, là, allez vous abonner sur la page de Mano Sabi Comedy Pro. Vous allez mourir de rire là-bas. Le gars est trop bon dans son domaine. Encore merci beaucoup pour la reconnaissance du bon travail, maman. Merci beaucoup. Aïcha, clôture notre vidéo, on part. Passez une belle et agréable nuit. Que la paix du Christ soit avec vous. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. Si ça te plaît. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de s'ouvrir tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité à s'ouvrir mon direct. Moi je lui ai alors demandé que. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du victoire, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur terre, chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Rodelli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi, je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, pour mon like. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de s'ouvrir tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité à s'ouvrir mon direct. Moi je lui ai alors demandé que. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du victoire, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur terre, chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Rodelli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé.
obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong?